Salut à tous, bienvenue sur apprendrelabatterie.com. Ah, c'est la reprise, on se régale. Alors, aujourd'hui, on va travailler, je vous offre un playback en 12-8, pour travailler le 12-8, quelque chose qu'on n'a pas souvent fait sur la chaîne. Voilà, un playback blues, on va voir ça tout à l'heure dans la vidéo. Mais auparavant, on va parler, j'ai quelques news, parce qu'on a passé 2 semaines sans vidéo, donc il s'est passé plein de trucs. Alors, premièrement, le cours sur le reggae que j'avais fait le 27 novembre en collaboration avec François-Charles Delacoudre et David Collado est sorti sur la chaîne de François. Je vous mettrai le lien YouTube de son cours. S'il y en a parmi vous, par exemple, qui jouent de la basse, qui sont débutants et qui veulent apprendre le style un peu reggae, ça peut être intéressant. Et même si vous ne jouez pas de la basse, si vous voulez programmer des basses, c'est toujours intéressant de voir un cours... comme ça, de massiste qui explique quelle note on peut choisir, qui fait quelque chose. Enfin, c'est intéressant. Je pense que. Donc voilà, je vous mettrai tout ça, donc le cours en description. En plus, il y a la partition pour ceux qui lisent la musique. Il a fait ça avec le truc qui est le curseur, ça lit le long de la vidéo et tout. Enfin, il s'est fait chier comme un rat mort. C'est génial. Bravo François, c'est génial. Salut. Dans la série des mauvaises nouvelles. Le décès de Chick Corea, voilà, il nous a quitté le 9 février à l'âge de 79 ans. Et Chick Corea, c'est pas n'importe qui. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent pas, Chick Corea, c'est un des pionniers du jazz fusion, d'accord, qui a fait sa carrière, donc on va dire, entre les années 50 et aujourd'hui. Il a joué Miles Davis et tout ça à l'époque. Il a connu toute cette époque-là. Et puis, surtout, il a monté un groupe qui s'appelle Electric Band dans les années fin 80, je pense, après 85, par là, où il y avait Dave Winkle, John Patitucci, Eric Marienthal, Frank Gambale à la guitare. Enfin, tous ces mecs-là ont fait une carrière. C'est quand même quelqu'un qui a eu le flair avec les musiciens de trouver des gens qui étaient très doués dans leur instrument. Donc, énormément de morceaux, plusieurs disques, des compositions d'anthologie. Indirectement, quand il est disparu, ça nous a tous un peu interpellés, parce que moi, personnellement, c'est ma jeunesse. Les années 90, j'ai entre 15 et 20 ans, donc c'est ma jeunesse, on écoute ça. Et j'ai un ami Facebook qui s'appelle Jeff Martin, qui est un excellent pianiste. Dans le cours, je vous mettrai le lien de son Facebook, qui avait fait une reprise d'Armando's Rumba, qui est un standard connu de Chick Corea. Et donc, je me suis amusé à repomper sa vidéo et à essayer de jouer avec lui. Et je vous mets la vidéo de suite. Alors, comme vous pouvez le voir, cette vidéo, voilà, j'ai fait ça en duo, en re-re derrière.
Ce morceau-là, Armandos Rumba, a été repris par plein de big bands, plein de, dans tous les sens, et c'est un grand standard. Il y a Got a Match de Spain, qui a été écrit par Chick Corea. Si vous voulez écouter des morceaux de Chick Corea, vous allez écouter Al Jarreau, Spain. Et après, vous allez écouter Spain, mais la version, l'album Light a Feather. Light as a Feather. C'est la version originale. Vous verrez comment ça a été repris et arrangé par Al Jarreau et comment il s'est approprié le morceau qui était au départ instrumental. C'est assez intéressant. Enfin, si vous ne connaissez pas Chick Corea, je vous invite vraiment à écouter ce compositeur pianiste. Bon, après, les goûts sont... c'est pas à la mode d'aujourd'hui et ça plaira pas à tout le monde, mais voilà, ça fait partie quand même d'un patrimoine musical international et qui a marqué carrément toute une époque. Je vois que l'ordinateur il est en train d'exploser derrière là. Bon, j'espère qu'il va tenir. Ouais, on a tout changé ici, hein, ça rigole pas. On a amené tout le bordel, là, on n'a plus rien laissé à l'appart. Hein, 23 mètres carrés maintenant d'air pur. On n'a plus rien. D'accord? C'est génial. Voilà, après, donc. Après les choses tristes, les choses encore plus tristes. Montélimar cherche des groupes pour la fête de la musique. Alors je dis encore plus triste, pourquoi? Quel connard je fais. Alors je suis tombé sur cette annonce, je ne sais pas si c'était un matin où je faisais changer les plaquettes du frein du scout là. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. En gros, Montélimar cherche des groupes pour la fête de la musique, passe une annonce sur son site internet, le site internet de la ville de Montélimar. Il y a un formulaire à télécharger pour faire sa candidature, certainement fournir des liens, des vidéos et tout ce qu'on veut. Voilà. Bon, on ne sait pas par contre si les groupes sont payés ou pas, ou si ça s'adresse peut-être qu'aux groupes amateurs qui voudraient se faire découvrir. Donc c'est toujours un peu ce qui est ambigu. Parce qu'on a vu pas mal d'organisateurs comme ça, que ce soit des villes où se faire des soirées gratos, en gros, sans raquer un zikos, et avoir 4-5 groupes d'affilée, et puis eux, faire tout ce qu'il fallait derrière pour rentrer de l'oseille. Bon, alors cette année, apparemment, ils ne pourront pas faire de buvette et pas faire de restauration, donc tous les organisateurs, que ce soit les festivals ou les collectivités ou n'importe quoi, pour les histoires de Covid et tout ça. Donc on commence à avoir des dates qui s'annulent, on devait repartir au mois de mai, il y a tout qui s'annule. C'est la fête du slip. Et donc, on a Montélimar qui cherche des groupes. Voilà, donc si vous êtes de Montélimar, que vous voulez jouer là-bas, vous allez sur le site de la ville, je vous mets le lien en description, vous téléchargez le formulaire, vous faites votre candidature. Et puis vous nous raconterez après ensuite comment ça s'est passé, parce que s'il faut tout ça, c'est dans les règles de l'art. Mais sachant que les musiciens n'ont pas travaillé depuis un an, ça fait tout, ça me laisse pensif, quoi, le fait de voir une annonce comme ça. Voilà, on cherche des groupes. Et puis, alors, ce qui est toujours marrant là-dedans, c'est tous les mecs qui vont aller jouer pensant que, ouais, c'est une opportunité, c'est de la visibilité. Moi, le trois quarts du temps, ça n'a jamais marché. C'est-à-dire que les mecs qui viennent vous voir sur un festival comme ça, ou une soirée comme ça pour la fête de la musique, connaissent généralement l'organisateur, savent dans quelles conditions vous avez été embauché, et ils cherchent à vous embaucher dans les mêmes conditions. C'est-à-dire, si c'est gratos, c'est gratos. Le truc, bon. Voilà, donc, renseignez-vous. Mais en tout cas, pour un groupe amateur qui voudrait débuter et se faire connaître, n'hésitez pas, ça, c'est une bonne opportunité. Voilà. Même si le plombier amateur n'existe pas et l'électricien amateur non plus. Enfin, voilà. Allez, après, dans les nouvelles encore plus tristes, Camélia Jordana. Je me régale. Là, j'ai eu 15 jours. En fait, je travaillais, on a fait les morceaux et tout. Mais j'ai eu le temps de lire des trucs et de regarder. Alors, Camélia Jordana, dans une interview de l'Obs du 15 janvier dernier, nous explique que, outre le fait que si elle était un homme, elle demanderait pardon, elle explique aussi qu'elle sort un album mi-acoustique, mi-électro. Alors, bon, pardon, Camélia Jordana, d'être un homme. Voilà, je suis désolé si je t'ai oppressé. Je suis vraiment désolé. Alors, par contre, il y a un truc qu'il va falloir remettre à l'heure. C'est tout ce qui se dit dans ces magazines-là. Parce qu'elle nous explique que c'est l'album d'une femme française et arabe, ok, qui mélange plusieurs influences. Alors là, d'accord. Les rythmes d'Afrique du Nord, de Mauritanie, du Sénégal, du Congo, du Mali, la soul, le hip-hop et l'électro. Putain, et sur le coup, je suis séduit. Qu'est-ce que je fais ? Quand je monte avec mon scout, je mets mes AirPods à 6000 et j'écoute l'album de Camélia Jordana. Parce que je me dis, là, on va des trucs à travailler pour monsieur grand public, ils vont découvrir tout. Ils vont découvrir les rythmes, je répète, d'Afrique du Nord, de Mauritanie, du Sénégal, du Congo, du Mali, de la Soudan, tout ça.
C'est-à-dire que moi, pour les rythmes d'Afrique du Nord, je vais voir Mamoun, le batteur de l'Orchestre National de Barbès, je lui demande des trucs, je me fais chier. Là, je vais avoir Camélia Jordana qui va me faire écouter. Super. Putain, premier disque. Quoi. Il y a un rythme. 10 morceaux, un rythme. Poum, tapou, tapoum, tapou, tapoum. Alors des fois, c'est poum, ta, ta, poum, ta, ta. Alors des fois, c'est poum, ta, ta, poum, ta. C'est un peu plus lent. Attention. Des fois, variation. Poum, ta, tapatoum, poum, tap, tap, pata. Bon, premier disque, j'ai dit, putain, la richesse des rythmes, là, c'est un peu toujours pareil. Et tout électronique, tout programmé, quoi. J'avais pas fait gaffe, dans l'interview, elle explique que le premier disque est un disque électro, que le second, elle l'a enregistré avec des vrais musiciens, une vraie batterie, une vraie guitare, et un style, c'est un exploit, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait un disque avec des musiciens, il faut une médaille, quoi. Bon, alors, ok, j'écoute le CD2. Putain, le CD2, 10 titres, sans déconner, il y a 4 morceaux avec une batterie, 2 morceaux avec des percus, et les percus, si c'est pas un loop, ça y ressemble, ça tourne sur 2 mesures, c'est toujours pareil, et 4 morceaux un peu balades où il n'y a pas de rythmique derrière. Donc en gros, sur 20 morceaux, il y en a 4 avec une batterie. Voilà un album du jour, et puis alors ça, il te vend le truc, terrible quoi. Ok, bravo, donc je vous laisse vous faire votre opinion là-dessus, lisez l'Obs, lisez l'interview, achetez l'album. Et puis n'hésitez pas surtout à dire ce que vous en pensez. Voilà. Dernière news. J'ai pour projet de faire un stage de batterie début juillet dans le Lot à Mascla. Pension complète, attention. Pute et cocaïne. Non, je rigole. Donc, ce stage-là, c'est encore qu'un projet, mais effectivement, c'est quelque chose que je risque de faire. Pourquoi ? Parce que je vais avoir le temps. Cette année, on ne joue pas. Alors, l'année dernière, on n'a rien branlé, on pensait jouer, on n'a rien fait. Mais cette année, on ne va pas se laisser baiser la gueule deux fois. Au bout d'un moment, on ne va pas non plus vivre au crochet de la société sans rien faire. Il faut produire des choses. Enfin, on en produit, mais on n'en vend pas. Donc, projet de stage batterie à Mascla. N'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail contact@prendrelabatterie.com, contact@prendrelabatterie, tout attaché, @gmail.com, et me dire si vous êtes intéressé, parce qu'en fait, si jamais il y a des gens, enfin, suivant le nombre, il faut que je m'arrange différemment, que je vois le matos et tout, ça peut être compliqué. Ah, le soufflant, taisez-vous, voilà. Et dernière news, la plus gaie de toutes, j'ai changé les pots de la batterie, vous allez pouvoir les écouter sur l'enregistrement du 12-8 qu'on va voir maintenant. J'ai mis des control sound. Pourquoi ? Parce que avant j'avais des codes générateurs. Code générateur, c'est inusable. Le truc, c'est de toute façon, ça fait 10 cm d'épaisseur, tu peux y monter à pied joint dessus, ça craint pas. Par contre, bon, c'est au niveau du toucher, c'est lourdos un peu. Donc je voulais quelque chose de plus fin et donc j'ai acheté des control sound. Pourquoi ? Parce que control sound, c'est l'épaisseur de l'ambassadeur. J'ai la confirmation maintenant, avec la protection, le rond noir, la protection au-dessus, qui permet de ne pas faire des cloques au bout de deux briques de batterie. Et en fait, ça tient pas mal. Quoi. Alors, je ne sais pas, là, ça doit faire un mois que je les ai, je ne sais pas si ça va durer dans le temps, mais en tout cas, il y a plus de rebond, plus d'harmonie, ça convient plus à ce que je voulais. Et c'est pas mal du tout. Control Sound, je vous ferai des images. Enfin, vous allez la voir sur la vidéo, sur les vidéos. C'est ces fameuses peaux transparentes avec les ronds noirs au milieu qu'utilisait Tony Williams, qu'utilisait Lars Ulrich. J'ai vu ça hier soir. Lars Ulrich. Ulrich, je ne sais rien. Les Allemands, on me dirait. Ok, stop. Alors, voilà. Maintenant, on passe au playback du jour. Le playback du jour, c'est un playback en 12-8. OK, 12-8, 3 croches par temps. D'accord ? Donc, 12-8, pour le 3/4 des gens, c'est old school, vieux style, c'est vrai. C'est un style qui a été popularisé, je pense, plus dans les années 60 avec les chanteurs type Mike Brandt, Elvis Presley. Attention. Mais n'empêche qu'en 2001, j'ai vu ça tout à l'heure, Alicia Keys avec Falling avait remis le style au goût du jour et c'est un morceau qui a énormément marché. Donc voilà, ce morceau, ce style de morceau en 12-8 est intéressant à connaître parce qu'il existe toujours et on tombera toujours sur des morceaux comme ça, donc il faut savoir le jouer. Donc j'ai fait un blues très lent, c'est 80 à la noire pointée. Pourquoi noir pointée et pas la noire ? Parce que 3 croches par temps, noir pointée. Ok ? Le point rajoute la moitié de la valeur à l'autre qui le précède.
ça, la formation, les gars, la formation, dans le formation chère, mais on apprend des choses. Donc, le 12-8, j'ai composé un morceau, j'ai fait la basse, les claviers, par contre, la guitare, je ne sais pas en jouer. Donc, la guitare, j'ai fait une espèce de guitare midi pourrie qui sonnait vraiment le cul avec mon clavier. Et je l'ai envoyé à Geoffrey Choran, parce que lui, par contre, quand il joue, il a le son, c'est dans les doigts, il y a une chaîne comme ça. Mais lui, il a vraiment le son dans les doigts pour ce style de truc-là. Et il s'est vraiment investi dans le morceau, parce qu'il n'a pas l'habitude, il me disait qu'il n'avait pas l'habitude d'en faire et que ça lui plaisait. Donc, il a vraiment cherché à interpréter la mélodie que j'avais écrite. Il a fait un chorus, et vous allez écouter le morceau par la suite. On va voir de suite la structure. Donc, c'est un blues. D'accord, c'est un blues, c'est-à-dire une grille harmonique basée sur trois accords, on va dire, ok, 1, 4, 5. Les batteurs, au départ, on s'en branle, mais bon, au bout d'un moment, on s'en branle plus de tout, il faut y mettre le nez dedans. Donc généralement, les structures de blues, c'est toujours 12 mesures, je dis généralement, parce qu'il y a des blues qui ne sont pas forcément en 12 mesures. Je me rappelle d'un album de Charlie et Souris, où je crois qu'il y avait des blues qui n'étaient pas du tout, pas en 12 mesures. Je ne sais pas si c'était tous, ou si c'était que certains, enfin voilà. Donc le blues, rappelez-vous, généralement, c'est une carrure de 12 mesures. Ok, la mélodie est basée sur cette carrure de 12 mesures. Les chorus de guitare sont basés sur cette carrure de 12 mesures. S'il y avait un chorus de batterie, généralement, à moins qu'on place un vamp, mais si c'est sur la grille harmonique, c'est toujours placé sur la carrure de 12 mesures. La structure de ce morceau, donc vous trouverez tout ça, le blues, à télécharger dans l'espace membre. Alors, la version avec la musique, la version playback et un conducteur de la partition. Le déroulement du morceau, c'est très simple. Hein. On rentre directement dans le thème dès la première mesure. Il n'y a pas l'intro, donc c'est 12 mesures de thème. Re-12 mesures de thème, mais à l'octave au-dessus. OK. À l'octave au-dessus, vous verrez, c'est plus aigu. Hein. D'accord. Après, deux grilles de chorus de guitare sur la carrure de 12 mesures. Et après, un seul thème de sortie où à partir de la 11e mesure, sur la partition, on passe sur la coda, où on répète en gros... trois fois la mesure 11 et 12, en gros, on la répète trois fois et vous verrez, on s'arrête sur la sixième mesure de ce cycle et sur les mises en place. Tout est écrit, c'est pas compliqué. En revanche, c'est un blues qui est très lent, qui est assez lourd et ce style de morceau, ça s'interprète quand même avec des burnes. Ça s'interprète, il faut y mettre un peu de l'intention. Quoi. C'est le blues, de toute façon, il faut y mettre de l'intention. Ce n'est pas de la musique qu'on fait ouais, salut, tu vois, en regardant l'air ou en réfléchissant. Quoi. Ça transpire, le blues. Ça sent la sueur. Il y a des femmes en string. C'est quelque chose de... Ouais, c'est pas mal. Bon, même si ça paraît simple. Donc, moi, j'ai fait une interprétation, surtout basée par rapport à la splendide ligne de basse que j'ai pu faire. Voilà, et vos grosses caisses, tout ça, tous les grooves seront placés par rapport à cette ligne de basse. Donc, je vous invite à écouter le playback, à regarder la mélodie, à jouer dessus. Si vous êtes capable de vous enregistrer, envoyez-moi une vidéo où vous jouez ce blues-là. Voilà, faites-moi des choses comme ça qui font plaisir, qui me montrent que je ne me fais pas chier pour rien. Voilà. Hein? Sinon, tout va bien, ok. On est encore au chômage, hein? On est encore au chômage apparemment, on est encore au chômage pour longtemps, hein? Parce qu'il y a un vaccin, ou enfin il n'y en a pas, ou je ne sais plus. Voilà, on m'a proposé du travail hier, c'était loin, à l'étranger, et il fallait être vacciné 14 fois, jusqu'aux oreillons. Truc de fou, là le passeport machin, mes couilles, ça y est, il est d'office, hein? Je vous le dis, ça arrive. Voilà, on est content. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau cours. Éclatez-vous bien, et puis à plus tard sur apprendrelabatterie.com. C'est génial, putain, ça arrive même à couper juste à la fin. Donc il n'y a même plus le au revoir, n'importe quoi. Voilà, je disais à plus tard sur apprendrelabatterie.com. Allez, ciao.
Yes. Ça barde. Je bavachis comme une pauvre merde, là.